étape après déroulement procès. Oui, effectivement. Bon, c'est un procès citoyen, un tribunal citoyen, c'est un procès symbolique qui visait juger président, en fait, ancien président Jovenel Moïse, parce qu'il est occupé, sous la vie, d'une manière illégale du palais national. Donc, mandat président arrive à terme, bon, ça n'a pas gagné débat sur ça encore, le 16 février 2021. Donc, vu que le président installe une dictature dans le pays, alors, m'a toujours rappelé, pour tout le monde qui a suivi, que le palais de dictature, eh bien, c'est un président qui est concentré, ou bien un monde qui concentre tout pouvoir dans Mali et qui a dirigé en dehors de la loi, ouais, de manière autoritaire. Donc, c'est pas qu'à passer jeudi, hein, côté que le président Jovenel Moïse va saliser toute institution, il démantèle l'arsenal juridique également, et il viole la constitution. Donc, imaginons, il y a un président mandalisé, il a décidé de ne pas quitter le pouvoir. Donc, ça, c'est une véritable dictature. Donc, c'est capable d'ajouter le phénomène kidnapping également, etc. Donc, citoyens, vous trouvez dans une situation, il faut qu'ils agissent. Donc, en tant que souverain, au sein de l'article 58, excusant de la Constitution, eh bien, citoyens, mettez en place le tribunal, ça, à côté que le fonds procès symbolique. Et puis, décision, ça a acquis un an, eh bien, l'IPRA l'a appliqué le 28 février à travers une grande marche qu'a fait. C'est une initiative du secteur protestant, mais qu'a réalisé de concert avec Marché pour la vie, avec les différents barreaux. Eh bien, population, hein, le 28, prend la rue, hein, décision en main pour demander appliquer décision tribunal. Voilà. Donc, il y a pas demandé qui est-ce pour appliquer décision tribunal. Bon, et c'est citoyen qu'on va appliquer. Le tablier, comme toujours évoqué l'article 58, le souverain, c'est le citoyen. Donc, au bon monsieur qui occupait par l'air illégalement, qui dit pas quitter le pouvoir, eh bien, souverain lui-même, la bien décision en main, la fait sauter des doigts. Voilà. Merci un peu, M. Jédé Ojo. D'accord, merci. Procès symbolique contre Jovenel Moïse, c'est l'histoire qui a reproduit là, il y a presque 20 ans, depuis on démarche comme ça, t'es faite par un groupe étudiant qui, le SAT, a dénoncé Jean-Bertrand Aristide pour yo quitter un dictateur. Yon na yo, c'était Maître Luc Mandelil qui était quand même ministre justice et c'est lui qui est avec nous. Mater, Maître Luc Mandelil, bonjour. Nous devons parler de plusieurs points dans l'actualité, mais je voulais poser une question ça pour démarrer cette interview. Ça l'a fait matin, 20 ans après, où tu as fait même activité avec le monde, je dis, qui a fait de procès symbolique contre ton président, bon, qui en fonction est mandat fini selon opposition, ou même de position étant, comment comprendre nos démarches comme ça? Et je salue Bob et du seul je salue non monsieur je salue tous les amis auditeurs du triste capoté dollar et ainsi que des compatriotes à l'étranger. Oui, question là 20 ans plus tard ou bien presque 21 ans plus tard, donc disons le même train. Donc c'est pas le même contexte politique et le moment ça. Donc, tes grandes situations qui passent, et 21 mai 2000, l'élection a été bien passée, mais finalement, et pour aller gagner trucage, pour aller gagner magouille, c'est au lendemain 21 mai 2000, pour aller gagner contestation, et le pays, hein. Donc, l'élection qui passe, et t'es dans une situation très difficile, comme je le dis pas dans le contexte politique, et époque là, c'est une époque difficile. Et côté, c'est des chimères, des criminels et qui t'ont fait la loi. Et malheureusement, si nous venons vivre dans le contexte là, et là, je fais en comparaison, qui sont des gangs armés et qui ont fait la loi sur tout le territoire. Donc, là, ça, il y a des côtés qui paraissent similaires, mais et sur le plan politique, c'était deux contextes différents. Et l'élection était organisée pour ça. Et parce que Orlando Marville, qui a supervisé l'élection, a dit en réalité, l'élection bien passée, mais si le résultat de l'élection, il y a des fautes, il y a des problèmes. Donc, international a été dit, y compris l'opposition à l'époque, la convergence démocratique, il a dit quel que soit le monde
qui sort de l'élection 26 novembre, ne pas reconnaître lui. Ça, c'était position internationale ainsi que la convergence démocratique à l'époque. Voilà. Donc, c'est pas même contexte, mais il y a un pile point qui semblait là. Je vous dis, il y a une violence, ils ont accusé la police, ils ont exercé sous journalistes, parce que c'était même Imagio en 2004, et n'a pas parlé de gang, je vous dis, il y a à peu près même réalité, hein, même si, je vous dis, nous reconnaître la situation de gang, non, il vient dégénérer. Oui, mon concert de ça, c'est que presque tout citoyen marron, moun pa ka sikulan dans pays an, et c'est des bandits, des hors la loi qui fait la loi, et c'est moun sa qui fait ça au land dans pays an, et qui est extrêmement grave. Et nous voulons dire, pour voir que m'te là dans l'ordre, donc, pour qu'on ait comme obligation de réserve en tant qu'ancien ministre, alors, moi, je pour me dire qui ça, pour me dire en clair que, et exécutif là, il n'y a pas capitalisé, priorisé sécurité. Hein? Et c'est ça qui mène nous là. C'est vrai que le président de la République là, a toujours parlé de l'électricité, courant, qui tape un bon bagaille. Mais ça, et chef Lablier, c'est que courant, même si nous avons besoin de payer, donc pour payer, il faut le travail. Donc pour le travail, il faut circuler. Donc je crois que si sécurité est en priorité, je crois qu'une bataille privée là. Donc, le map gardé avec un pile amertume, le map gardé là qui niveau pays à descendre. Vous comprenez que ça fait mal en tant qu'avocat. Nous avons 2 ans depuis le cabinet fermé, pratiquement, et pas de fonctionnement du tout. Et un pile jeune avocat obligé parti. Donc, un pile là de mourir, ou un combat kidnappé et des confrères, des conseillers avocats. C'est des bagages archi graves. Et je crois que Fok Gomba et Kiboudi. Et nous n'avons pas qu'à tolérer que ça continue comme ça. Longtemps, M. Tron fait vidéo, il est demandé, il est mettre cagoule, on met pas qu'un cagoule encore, monsieur est tellement à l'aise, comme si paysan, c'est pour y aller, il fait ça y aller là-dedans, monsieur a vili paysan, il fait mon honte, international, c'est de ça seulement à parler, des gangs armés, et qui prennent tout le territoire national là. Donc, naturellement, les petits là, on va prendre une vidéo côté une gang qui a menacé. Et les dit la bonne bambou champ. Et quelque part, je suis senti que c'est moi qui t'ai nul. Donc, automatiquement, je là. Donc, monsieur, il prend le large pour faire ça. Vous donc, l'homme petit là, je suis quitté dormir pendant 4 mois. Et nous t'entendons avec la police nationale d'Haïti. Et le moment pour moi. Salut quelques au grade du PNH qui peut être en tête. Moi, là, m'a souhaité, monsieur, vous m'avez fait déjà l'eau, m'a songé tout, m'a parlé déjà à l'expert, lui, qui était commandant de Rio. C'était un homme qui parle de jambes d'homme, même j'avais, qui t'a coordonné. Et donc, Mario Belgis, qui était DCPA, et le moment, il y a un Serge Barreau au niveau de Port-au-Prince, côté une stratégie de développement de fermer Malandré Randan. Et naturellement, pour nous progresser, nous avons isolé honnête et couper de l'eau, manger, etc. Et nous avons fait tout notre pays, sin d'hérité. Et où tu as commencé avec un résultat, une coin de résultat là-dedans. Pas de médicaments, médicaments va te rentrer, manger pas de rentrer. Et jusqu'à ce que nous rentrons pour nous progresser, nous avons fait. Malheureusement, monsieur le ministre, pour qui ça, ou estimez que vous avez tout résultat ça et puis vous révoquez? Bon, mon cher, les mauvaises choses dans la vie de Dieu, c'est ça l'Haïti. L'on est que l'on moun, chaque monde m'a dit créer avec expertise, chaque monde m'a dit au café. Donc, au lieu et les monde pour le mettre à sa maveur et compatriote, le préfet fait des jaloux. Au lieu pour supporter, l'ensemble va faire, s'il pas qu'à faire, c'est éliminé pour l'éliminer. Mais le Mandeli, où tu fais partie de un gouvernement qui dit que sécurité c'était priorité ou c'est priorité, et au fait dit là sécurité a pas de priorité gouvernement, ça c'est à partir de quelle heure où on nous compte que sécurité a pas une priorité pour gouvernement? Bon, naturellement, et monsieur nous tout à suivre, donc c'est pas moi qui dis, nous constatons ça, parce que si le temps priorité, nous certain que ça va pas arriver là, toute force est à converger autour
Et donc, une bagarre, parce que sécurité, c'est une mission essentielle de l'État. Donc, c'est l'État qui doit bailler sécurité. Donc, si situation dégénère, comme ça, quelque part, on faille la question sécurité publique paysan. Donc, je crois que, et un pile forcément qui convergeait autour de ça, et qui fait que nous tombons la situation là, nous tombons la trou côté là. Donc, comment s'en sortir? Moi, j'ai franchement, mon bagarre pour cela, parce que, bah, là, tellement grave. Et au niveau de la police, on a une désarticulation là-dedans. Donc, il est fragmenté. Et la police là qui l'a garantit sécurité vie et bien. Donc, comme on constate, donc son situation est grave. Et quand même, il y a autorité dans le pays. Moi, je pense que faut bon bail qui fait pour nous faire la question ça. Parce que nous ne sommes pas partis. Et nous ne sommes pas dans le pays étranger. Faut que nous vivions dans le pays. Et il n'est pas normal que des criminels et qui a défié l'autorité d'État et on fait tout le temps et m'attendre la nouvelle la baronne si me mal tendé quand dominicain du dominicain qui kidnappé oui j'en veux dire discoté et par des agents de la PNH par contre si me mal tendé. Donc là, est-ce que pas gagne en confusion guerrier dans article là, est-ce que pas gagne confusion, est-ce que vous te voulez dire que moun qui allait avec moun yo kidnappé, hein, c'est des moun qui habillé en uniforme la police nationale, ou du moins après confusion créée là, c'est comme si que moun yo enlevé yo, yo te gen policier qui t'a suivi, qui t'a bailler sécurité. Gros confusion dans notre. On parle là de dominicains avec jeune cinéaste. Oui, on dit c'est parce que était tard, donc yo te mandé backup la police, donc te gen on backup devant yon derrière, donc pas connait qui quantité machine que convoi a tayé. Ouais. Et comme une machine que vous avez gagné avec yo, et mais c'est ça. Des bonnes informations sur ça, comme si moun yo, yo même yo te mandé écoute mais la police pour te traverser Matissan malgré ça ils ont enlevé yo. Oui, c'est ça information d'avoir fait quoi, information d'avoir fait quoi. Donc moi c'est là, c'est un porte-parole la police là. Oui, quelque part on confusion. Oui, on confusion comme tout moun yo kidnappé yo toujours dénoncé, c'est moun en uniforme qui enlevé yo, probablement c'est ça yo te vle écrit dans article là. Mais aller pour dire que malgré la police que ont enlevé, gon confusion totale, gon confusion totale. N'a cherché tout à l'heure précision ça au maître Luc Mandelil. Oui. Maître Luc Mandelil. Allô? Oui, maître Mandelil. Où là? Oui, je suis là. Oui, ça qui confirme l'information, c'est que deux dominicains ont été enlevés effectivement, et puis jeunes haïtiens qui étaient ensemble avec eux, ils ont tous été enlevés, et ils ont question de millions. On n'a qu'à parler, 1 million pour chaque Dominicain, 1 million de dollars vêtements. Hein? Bon, le moment bien, mais bon, ma place appelle la population et tout. Et peuple là, je pense que le côté, il faut nous entendre sur la question. Et là, niveau pays est arrivé là, je crois que au-delà de credo politique, on est capable de gagner de position politique. Je pense que la population fait solidarité. Avec force publique yo, pour nous voir comment nous capables de déraciner criminels ça. Elle a dégénéré, M. Lucman. Moi, je m'attendais à un policier, bon, bien que quelqu'un qui dit c'est ancien policier, Delma 95, on s'était des Jules May, qui était avec confrère nous, docteur Harrison Ernest. Jules May clairement expliquait, il dit devant Kafou nous est là, journée jeudi, hein. Dans gens insécurité hein, vin englober toute sphère république là, dans tout côté ces gangs, li même comme policier, li pas croit que autorité yo ka en mesure pour freiner ça ou bien pour capable mettre et comment t'es capable de dire ça, mettre au hors d'état de nuit parce que monsieur gen trop zam, li même comme policier gen des zam li wè nan men monsieur yo, ça va lui faire mal. Bon quitte me tout. Et li pa li Haïti pas fin capé du net, bon. Moi crois que si une solidarité population parce que population ça a besoin, il besoin confiance. De dirigeants pour croire que bagaille ça dirigeant veut freiner le vrai. Premièrement. Et deuxièmement, ouais tout bagaille ça bon son bluff, ils ont faux problème. Alors on dit faux problème et on va l'expliquer ça me le dire là. Li faux en même temps le vrai. Li vrai c'est qu'il y a kidnappé monde.
livre c'est que des bonnes machines et petit peu noir tout le monde oui mais li fort c'est parce que bandillon c'est parce que grosse de tolérance et je pèse le mot Bob fait ça arriver là et c'est parce que tolérance Bob qui fait ça arriver là pas veut trop parler de tête Bob parce que je préfère public quitter public la juger et moi tolérance un peu léger plus quoi que complicité n'ta plus n'ta pas servi avec complicité bon on est une obligation de réserve Bob parce que dire votre bagage dans ce ministre ce matin moi je dis que Bob si tu rends ça c'est ça que mène nous là moi même pas de rien pour moi mon chéri de près de très 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 loin on pas capable gon responsabilité pour m'ta tolérer un bagage comme ça arriver là OK donc moi même en tout cas m'dit là m'dit nous qui ça m'dit café ça m'dit vous mais malheureusement les mauvaises choses ont la vie dure. Haïti, c'est ça. Et c'est comme ça, ça a été toujours eu, malheureusement. Donc, si on a fait un bagage, on va tirer les jaloux. Et au lieu de vous donner support, c'est pas comme ça l'a bien mieux. Et on a besoin d'un bon monde en face. Même certaines presse, bon, mais t'es qu'on critique, donc parfois, on fait me passer comme on dit. Et après, on débat 72 heures. Mais c'est qu'on y a un dédié à dire, mon cher, qu'on est. C'est qu'on y a un compréhension, salut, m'a dit le faire. Parce que toutes victimes, nous tout à prier. Oui, nous tout à boire de toute la marron. Donc, au lieu pour nous faire solidarité, on ne pas dire une support société à tout Bob. L'homme devine, ce n'est pas comme devine faire. Si je devine faire comme peut-être, nous sommes toujours là. Ce n'est pas la tête de ces Bob. C'est avec amour que fait ça, que fait avec passion. On ne même pas besoin de l'État TPM. Parce que Bob, c'est papa petit, mais tout le monde n'a pas toléré un bagage comme ça, Bob. L'homme a gardé par cette rip, mais il a coupé. Non, c'est archi grave. C'est archi grave. En plus, on a on a information qui est arrivée sous maman, ça, qui expliquait devant la Kaili, Delma 15, machin pistache que lié, déjà, il n'y a pas dans les yeux, et ses difficultés pour ouvrir l'autre yeux, souvent c'est monde qui traverse, et puis qui dit que petit li a joué devant la Kaili, dans Matisse 115, et puis nèg à moto, passé petit moun nan, et puis courir derrière, demander le numéro, et puis après, on $4,000 américains ont demandé li, bon, malheureusement, t'as pas le joindre comme ça finalement, et puis, là, le joindre cadavre, petit moun ça, et sous pombré, à côté, au tout fait li, petit moun 5 ans. Donc, bah, grâce, son bagage qui est vraiment répugnant, son bagage qui t'a doué, franchement, son cauchemar même pour République, pour société, pour autorité, pour image pays. Donc, son bagage poignant, bah, ça, bon, blé, m'a regardé là, qui niveau pays, et bah, là, je me fais attention par force, y compris, mais m'oblige à bref, tellement pas nerveux, pas qu'à vivre, le m'a regardé là, qui niveau pays, descend, pour des bandits, pour des vagabonds, des criminels, et sortir pour mettre la République. En déroute, mettre la République en otage, faire mon pavé dans le pays, hein, mon pas qu'à circuler, aucune institution pas qu'à fonctionner dans le pays, hein, parce que sécurité, hein, et le fait que, et qui peut pas faire leur priorité, donc on est à la même, nous tous aux abois. Le pays a fini la même projet, alors que, si sécurité, hein, donc ça qui prend main, bon, c'est certain que le pays va priver là. Niveau de descendre là, il va arriver là, parce que l'ordre de sécurité sont tout liés. Ça veut dire que faut passer par lui pour jouer toute l'autre bagaille. Oui. Maître Luc Bandelil, est-ce que nous capons résoudre le problème insécurité là sans résoudre le problème politique là? Ah, vous posez une belle question. Je pense que je ne vais pas arriver là, je ne vais pas faire conclusion, je ne vais pas le dire. Et en fait, je vais me dire du bagaille, parler de sécurité là, deuxièmement. Moi, je crois que faut chef fatage un accord minimal et qui est capable bon l'autre gouvernement et l'autre gouvernement ça pour ta font passer mais dans CIPA et au moins pour nous que si on formule en route pour nous sortir sans ça et on va en formule là je crois que accord minimal ça ta capable bon l'autre gouvernement et l'autre gouvernement et passer mais en profondeur dans CIPA là. Et en dernier lieu, on a adressé question sécurité. Sinon, question élection, mon cher, c'est peut-être il en rêve d'après ça. Et c'est pas seulement le pouvoir qu'il a seulement. Non, quand il y a un problème, ça n'importe qui le pouvoir qu'il a. Eh bien, une fois, bah, trop peut-être. Non, situation est là. N'importe qui le pouvoir qu'il a, il va pas résoudre l'idée, non? N'importe qui est venu. Que ce soit pouvoir, ça, qui capte l'élection, bien, et du gouvernement transition, dans des appareils, bon. Et pour moi, la pirette. La situation arrivée là, j'ai dégénéré là. Je crois que sans solution médiane, donc je crois que nous n'avons aucune chance pour sortir. Ça, c'est position personnelle, pas. Donc moi-même, je parle en tant que citoyen, en tant que professionnel,
on pas parler en tant que monde qui bagaille qui gris comprend qui gagne émotion gagne folie pouvoir etc. C'est pas ça. Donc m'a analyser question m'a comprendre c'est la pays à mieux c'est la pays à m'a vu c'est la mieux chaque jour. Donc on comprend sans solution médiane et nous pas aucune chance pour nous sortir. Nous fait des chocolats là tout le temps nous reste albano et n'a fait depuis 1986 mais là qui niveau le mettez. Et moi-même, par la logique des chocages là, c'est pas comme ça, moi, mon opinion personnelle, et toute revendication, mon papa qui a crié, je comprends, et douleur, je me sentis tout, et je crois que nous n'avons pas de solution dans les chocages là. Je crois que la solution, c'est jouer une formule pour nous chiter en tant qu'haïtien, pour jouer une formule qui pour plus appropriée hein, pour nous sortir. Et si nous comprenons, et c'est déchouquer tel groupe, et puis nous allons passer tel groupe, et là bon même résultat sinon c'est pas plus mal et en nous prend et histoire récente nous pas besoin là l'histoire passé République d'Haïti l'histoire récente ou comment elle dépassé et donc général Nafi déchouqué par général Pousse-Pavril ou est salté baou nous fait élection et à Trouillot qui ont élection plus ou moins le mois entier de bon élection 7 mois plus tard pour le renverser le général Raoul Cédras, il a tête courant, lieutenant-colonel Michel François, donc embargo, 3 ans coup d'État, etc., retour à l'ordre démocratique, et finalement, élection faite, prévalver le président, problème élection contestée, etc., et jusqu'à ce qu'une balle retourne en 2000 encore, que l'ancien président Jean-Baptiste Aristide prenne le pouvoir, bref, 2004 pour arriver. Et finalement, Mkapela, nous, qui ça s'abaille, moi-même, je crois qu'il est temps que compatriotes de nous, haïtiens par une mettent ensemble pour nous, l'autre pays fait. En 1994, République Dominicaine démarquée sautée. Si leader époque, Joaquim Balaguer, le docteur Peña Gomez, pas de dépassement de soi, République Dominicaine a sauté. C'est instabilité avec bon, tout problème, on est là. Et question problème politique là qui prend le bon tout les problèmes gang armé et tout parce que grand problème de gouvernance et puisque n'a pas entre nous-mêmes et bandi yo yo même pas rien crédo politique mal on est qui leader ou bien grand pouvoir comprendre que le cas compter sur bandi et sur criminel et bandi a pas rien crédo politique il pas état d'âme c'est derrière l'argent lié c'est au prison frère quel genre de cabal là j'ai ça fait moi-même philosophie pam pas rien pour moi avec genre de malandresse ça. Parce que bandit, criminel était criminel, voleur était voleur. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas entrer dans la question politique. Parce que nous-mêmes, politiques sont bon bagages liés. La politique, c'est l'art de bien gérer la cité. Nous ne pouvons pas avoir une cité pour tolérer de connivence avec criminel, avec bandit. Donc on croit que les politiques là, c'est l'idée de son bail, cadre bail noble. Et on croit que si nous mettons ensemble, compatriotes de ta genou issus, et pacifique et heureuse à cette crise, on met ça en bagaille. Mais si c'est là des choux qui doivent aller, de toute façon, moi-même, pas là, et je crois qu'il n'y a pas de résultat. Okay. C'est pour le vue personnel, pas, et c'est comme ça que je comprends. Et je fais rappel historique, et pour montrer, et bien, et pas pour montrer, peut-être pour me faire appel, et pour vous, parce que j'étais dans le pays Pierre-Renel, et ça m'a dit on vivre tout, donc je pense de même génération. Et si je ne fais pas ça, moi-même, pas qui bon aller, et qui route n'a pas fait, dans le pays d'Haïti. Parce que situation grave, il est très grave, il est grave, l'université pas fonctionne dans le pays, hein? L'école pas fonctionne dans le pays, hein? Et qui génération a formé là qu'on y a là. Donc, majorité, plus de 90% cadre pays aller. Donc, tout le monde qui fait baccalauréat qui est pays, hein? Sakaji, le Brésil, nous tout connaît, un peu partout, c'est nos bains. Donc, c'est le cerveau qui transforme le monde. Donc, si on prépare des mondes pour l'étranger, les monde qui était là, qui est-ce qui va le dire Haïti? Donc, est-ce qu'on peut prendre le monde qui va prendre une ligne écrite? Donc, on va le mettre à tout niveau dans le pays. Et qui est-ce qui va le faire là? Jean le aller là. Et si on ne pas freiner l'hémorragie, ça. Donc, pratiquement, on ne connaît. Mais là, moins que 10 ans, son pays va disparaître. Ou quoi, on attend 10 ans? Jean Baye là, il est là. Ah, j'ai bien dit, là, moins que 10 ans. J'ai bien dit, là, moins que 10 ans. Ok, ok, très bien dit. Très bien dit. Vous comprenez? Donc, un pays comme ça. Donc, autrefois, il était qu'on dit, mon cher, la situation, mon cher, il était la caille, mais bandit entre la caille, mon épreuve, les pauvres racontent, madame, à 615 ans, c'est devant la caille, lui, Petit, 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 petit
Donc problème non c'est pour que j'aurais été là car il passe dehors et ou bien là la rue parce que c'est l'État qui doit prendre responsabilité de la population sécurité. Est-ce qu'on homme qui a fait tout du monde dans la caille? Bon, ça va manger. Non, mais en tant qu'elle a parlé du à l'abri pour ça, parce que regardez ça qui est arrivé dans 75 ans, il y a entré pour un ingénieur, en dans bureau, en dans officier. Oui, d'après ça là. Ah bon? Oui, donc ça veut dire que. Donc même pasteur Delma 33, guerrier, avec Fidelio, en dans l'église là, ou vous barrez. Oui, il va être pasteur, non? Et il était prend. Trois l'autre monde. Trois proches. L'église là. Donc voilà. Voilà. Donc, parler d'un cas, qu'on y a qui j'en décaille, qui barre au gain, comme ça. Donc, la situation compliquée. Oui, on se précise concernant deux Dominicains. Oui, donc, oui. Moi, parler avec un monde qui est même fait partie de l'équipe là, mais qui n'est pas autorisé pour parler, puisqu'il dit qu'il n'a pas gagné trop d'informations sur ce qui passe à Port-au-Prince là. Ok. Mais il dit que tu as gagné plusieurs machines. D'ailleurs, ce n'est pas deux Dominicains seulement qui étaient dans l'équipe là. Tu as gagné Français, gagné Colombien tout, qui est dans l'équipe tournage là. Donc qui était sorti Jacques Mel, tu as gagné bus qui était gagné là-dedans, qui était peut-être l'autre monde qui tapait dans casting là, gagné tout machine qui portait équipement yo, caméra yo que monsieur Kembe et dans parler de monsieur qui kidnappé de Dominique yo et les dim tu as gagné trois policiers qui était accompagné monsieur depuis Jacques Mel. Donc il pas connaît et question tu un backup devant ou backup derrière. OK? Mais il dit connaît tu gagne trois policiers donc il pas connaît sur cours de route qui ont fait appel à la police pour te sécuriser. Yo. Ouais, mais il dit que il te connaît tu gagne trois policiers qui effectivement t'est accompagné. Il pas dit combien machine qui gagne dans convoi. Et il pas dit mais il dit tu gagne pile monde, hein? Tu gagne pile monde. Donc il dit tu gagne plusieurs machines. Bon, non convoi. Et puis porte-parole là d'une après aller chercher plus d'informations probablement avant journal là fini là pas capable de nous qui ça qui passait et concernant incident ça est-ce que effectivement t'es gagné deux backup la police qui était accompagné convoi ça qui était sorti Jacques Mel dans le cadre de tournage de film ça qui c'est un film qui t'a tourné en fait t'as fait un créole qui est Ma La Chong bien flou oui. Bien flou, en pile flou. Là. Oui, n'a pas de parole là pour éclaircissement. Pour qui ça, policier qui t'a accompagné depuis Jacques Mel, sous Jacques Mel, là, pas continuer à accompagner pour faire respect quoi hein? Est-ce que vous-même, vous êtes arrivé à destination? Non, bah, pas si de vous n'êtes pas continuer pas d'accompagner. Non, il ne va pas parler, non, il va parler. Oui, nous, c'est ça que fait. Il faut que nous donnions la police pour ne pas nous-mêmes. Tout à fait. Oui, pour ne pas. Parce que sinon, parce que au cas où il y a trois policiers à avoir. Et puis, il y a un débat qui a gros manche, on va pas faire rien. Oui. Oui, police de cala, on va pas réagir. Oui. Ouais, de cala, on va pas réagir. Mais Kounia, c'est à la police qui pour mettre au plus sous sa tour, dans niveau communication, pour les gombas qui passent comme ça, pour porter précision nécessaire pour que mon pape devine ce qui passe. Oui, obligé porter précision. Oui. Parce que non seulement image pays, image institution policière, dans tout, dans question ça, et puis pas oublier que c'est étranger. Oui. Étranger et puis non enlèvement si même lorsque en fait policier qui était là pas la réagir mais c'est trop facile pour ouais pour prendre une machine à laver là avec tout le monde et puis pas une petite cartouche qui tire pas une réaction bon enlèvement tout à fait douce oui. Donc c'était chargé il faut bien préciser mais demande l'île l'a fini concluons nos mètres et disons n'a fini pour nous dire que et bandio et monsieur qu'on s'est fait c'est si tirance là parce que si monsieur qu'on est éclaté donc bah là va arriver là il y a des monde et ou pas ta penser qu'a supporter nèg ça donc m'entendre y a fait l'oeil gain une soquette gain dit jeune déjà gain qui dit y a regardé qu'est-ce qu'a venant avant l'autre donc on trouve que c'est extrêmement grave des c'est là le bablesse franchement et monde qu'a fait payer souffrir moun kap financer monsieur ça et m'a dit yo tout moun kap supporter man André ça yo m'ta rame pou yal li le camar pou konn sa ka privé pou devant parce que grand moun de son bras c'est là nous goûter et la machine de l'arbitre retournera pour écraser contre tous ceux qui l'ont encouragé tout moun ka encourager le vagabondage action criminelle ça tout ou tard il a payé ça. Mais quand l'oiseau est vivant, il mange des fourmis. Et quand l'oiseau est mort, les fourmis le mangent. Je trouve que c'est méchanceté.
pour des mondes qui doivent voir ti monde l'école et ti monde qui pas manger et puis ces âmes et qui coûtait excessivement cher à acheter pour mettre la main et des bandits pour mettre deuil dans les yeux la famille haïtienne et moun sa yo m'a demandé yo prendre conscience si c'est moun yo encore parce que moun t'ap financer nek sa yo parce que monsieur ça pas sorti yo pa gen passeport yo pa gen carte électorale yo pa ka déplacer et yo dit ça tout c'est pour te pour des amis là-bas. Donc moi même comprendre mal qui gens des monde des citoyens qui fait dans pays hein que pays a ba chance pour y arriver là et puis cap financer des monde pour faire monde souffrir dans société. Ah oui. Et l'autre bagage qui grave pour finir net l'état son bail moral et l'un des monde qui l'en l'état certains là-dedans qui de connivence avec monde ça encore bon ça beaucoup plus grave. Ah oui. Dans tout pays sur la terre. Mm-hmm. L'état son bail moral l'autre dit l'état et me change me dérivé au Tawabob m'a dit ça me fini et puis mon chien a cherché une adresse de l'autre délégation nous pas capable une adresse là et puis c'est la police nous et puis dit mon chien a fait si bon côté pas trop police toi et à ce moment là identifié nous dit haïtien de voie de passer à Canada etc. voilà et puis dit suivre ça me montre bob me montre que symbole l'état son bail moral. Pour qui ça paquette mon machine moi là on bat camper yo c'est parce que c'est l'état la tête pam une femme pour la police qui gagne mission qui au service des citoyens dans tout pays et dans tout pays sur la terre et à ce moment nous rapprocher beaucoup côté yo et puis on conduit nous donc nous montrer que l'état son bagaille mon pas d'agir droit jouer avec lui. L'état c'est protecteur protecteur tout monde qui en bas l'ombre l'état lui doit rassurer. On n'y est pas privé. Si, mon cher, c'est nous sommes même l'État. Des connivences ah, et avec des malandres ça qui sont graves. Et mon cher, ça fait mal en pile. Et les maps gardées dans qui niveau nous vivons. En tout cas, et la réalité est ce qu'elle est. Et message, pour me finir, Bob, et monsieur, nous t'en disons chaque matin, c'est fidèle auditeur, non. Merci. Et bon travail, nous m'en des citoyens, yo, et faire solidarité. Et avec la police, c'est force, l'unique force de sécurité que nous avons pour protéger le pays. Et monsieur, c'est vrai que nous avons brillé l'armée, mais mission, la police là, c'est servir à protéger. Et nous reconnaître que la police là, il y a des problèmes de moyens. Et nous avons commissaire gouvernement, des fonds de temps, mini-justice, un petit bout de temps. Moi, là, qui situation, monsieur, a évolué dans la situation qui est grave. Eh bien, monsieur, fais ça, nous capables de te prêter serment. Pour nos services société. On reconnaît que nos situations difficiles, ma badri ça toute la police nationale d'Haïti, fait ça donc capable pour nous recommander à protéger société. Et on reconnaît que situation grave. Et monsieur fait ça capable. Eh bien, bonne journée. Et n'a toute famille qui a crié, en deuil, n'a pas dit au courage. M'a pas joué pour m'a dit, mais m'a pas dit l'autre bagaille, m'a dit au courage, force. On reconnaît que situation difficile. Pas découragé, car le découragement c'est la mort de l'âme. Et n'a pas dit force et courage et qu'un BFM. Baba, monsieur, merci de ce que nous te permettons de faire parler avec vous. Merci beaucoup. Merci Pierre-Nel, merci Bob, merci Gaye. Bonne journée, Maître Delille. Nous allons recevoir Maître Anel Rémy qui va porter une précision pour nous dans notre article 84 décret 22 août 1995 dans Guerrier. Qui est dans son organisation judiciaire, Libral dit nous, qui bien fondé en pareille initiative, n'a parlé de sommation en expulsion des lieux que signifié à chef l'État pays, Jovenel Moïse. Maître Rémy, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour, Guerrier. Bonjour, Pierre-Renel. Bonjour, tout auditeur de Tissat et Paris. Et permettez-moi aussi de rapidement bon anniversaire à hauteur à juge Abdéry Joseph. Alors, bon, c'est en précision qu'on a traité par rapport à la sommation que le cabinet avocat de l'Ouest et cadeau signifie à l'État. Alors, il faut comprendre que ça a mis l'initiative de notre cabinet d'avocat qui initiation. Donc, notre cabinet
cabinet qui fait action à une vieille personne de type et une vieille personne de fonction. Même comme avocat, qu'est-ce qu'on a fait? On a initié par le biais d'une action, une action en exclusion de lui. Pourquoi ça me dit ça, boxe? L'article 134.2 marque la fin du mandat du président Jovenel Moïse. Elle dit, au sein des locaux du Palais national, Jovenel Moïse n'a plus qualité comme président. Vous comprenez? Donc, on y a même comme avocat, puis la base de cet article et au regard de l'article 84 du décret du 22 août 1992 sur l'organisation judiciaire qui dit que seuls les tribunaux de paix sont compétents pour entendre les actions en expulsion de vie. Donc, ça veut dire ça. Ça veut dire, Jovenel Moïse a deux actions initiées contre. Notamment, en action pour usurpation de titre, usurpation de fonction, mais nous-mêmes au niveau du cadre, au niveau du cabinet avocatif de firme, mais pas dans le réunion avec tout avocat, initié une action en expulsion de lieu qui est différent pour ces droits en déguerpissement. Oui, oui. Donc, en action en déguerpissement, ça veut dire qu'il faut que tu aies un lien juridique, propriétaire, locataire, pour tout à fait action. Ça, c'est ce que fait. Permettez-moi de couper bien devant le préparation pour me dire que action qui propice actuellement, c'est une action en expulsion des lieux ou non en déguerpissement. D'ailleurs, on dit on déguerpit quelqu'un pour non paiement de loyer et avec l'éducation de bail. Tandis que on expulse quelqu'un pour occupation illégale et pour occupation illégale de l'espace quelconque. Donc, c'est dans ce sens-là, on est un avocat, on dit que action déjà pour l'intimidation, donc formation de faire retour des réseaux sociaux. Donc, ce jour-là, il faut montrer de coutarder la citation et l'affaire devra être entendue, devra être initiée, devant le tribunal de paix de la juridiction du palais national, ça veut dire tribunal de paix section S. Et nous espérons que nous prenons la justice comme une option, nous prenons l'impartialité de l'institution et du de paix pas prendre la pression. Pas blessé en fiancé, et que nous-mêmes avons un jugement correct, un jugement d'une collation signé par le délégué du tribunal de paix de la section S, avec les forces de l'ordre, nous serons en mesure d'exécuter le jugement qui pourra ordonner l'expulsion des lieux du séjour de Moïse, parce que nous crions le parleur sans douanitabilité et avec l'article 134.2, manque la fin de Canada. Alors, pour finir aussi avec le capteur de l'hiver, alors nous-mêmes, comme avocat, nous avons dit que tout le monde a dit que nous avons dit que nous avons dit pour nous parler de l'état d'avancement du dossier du soldat Brésil, parce que pour nous, nous avons dit que nous avons fait appel contre l'ordonnance Mme Médouane de Saint-Martinus. Donc, nous avons dit que dernièrement, nous avons fait appel d'appel, les formalités sont en train d'être remplies. Il faut que dossier ça, ce coup d'appel qui vient par établir pour moi, pour vous mettre une joigne, élargissement 17 points qui ont arrêté dans le cadre dossier qui vous êtes arrivé dans le dossier. Donc, nous remercions tout le monde et au moment opportun, la partager les éléments d'évolution des différents dossiers qui nous parlent de l'Union avec le cadre d'avocatif. Et une question pour Maître Aimé Guerrier Duce. On demande moi qui qualité monde qui fait action la palette de action contre Moïse là. Alors est-ce qu'on a qualité pour ça? Écoutez, très bien. Je me pose la question en faveur de la qualité. N'oubliez pas que Jovenel Moïse est le président et quel est le président de tous les Haïtiens. Jovenel Moïse a été dûment mandaté par le peuple haïtien pour diriger le pays pendant 5 ans. Alors, vous savez, elle dit que le haïtien ne peut pas de qualité, elle dit des droits pour une section, puisque le peuple, pendant ce matin, nous avons dit que le peuple a dûment constaté la fin du mandat de Jovenel Moïse. Écoutez, le peuple. Si nous-mêmes, comme citoyens, nous avons été impuissants, nous n'avons pas fait rien, eh bien, le fond de la présence de nous connaît le tribunal. Et puisque ce Jovenel Moïse qui nous dirigeait, nous sommes des citoyens haïtiens, nous faisons partie de la société, et c'est vrai que c'est nous qui avons voté pour ce guerrier Jovenel Moïse.
C'est moi qui a voté. C'est citoyen par qui a voté pour Jovenel Moïse Madari. Maintenant, pourquoi nous demandons une question à savoir la qualité? D'ailleurs, il y a qualité de salut qui a voté à ce moment-là. C'est le peuple qui donne mandat. Et non le président qui a pris le mandat. En vertu de ce là, c'est mandat qui a demandé l'explication en fonction des limites qui ont été balies, comme quoi il a constaté qu'il traversait les limites. Très bien, très bien, d'accord. Bravo. Il faut comprendre tout que c'est moi donc qui a dit, écoutez, sur la base de l'article 54.2, puisque et avec l'article ça, votre mandat a pris fin, maintenant, vous n'avez plus la qualité de président, vous devenez un ancien président. Maintenant, deux mois ancien président, vous n'avez plus qualité. Et l'article 84, décret 22 de Dabo, c'est inutile ça. Depuis occuper un espace illégalement, depuis l'occupation illégale, on peut vous expulser. Et action ça, c'est tribunal de paix, juridiction pénale, qui est compétent pourtant désormais. Seul le tribunal de paix est compétent pour éventuer une action en expulsion de lieu. Et c'est ce qu'on fait là. Ça veut dire qu'on juge de paix pour aller dans le palais pour le faire exécuter, non, c'est ça? Pardon? Donc on juge de paix pour aller dans le palais pour le faire exécuter décision. Sommation de lieu, nettement différent avec mon dégapissement. Ah, ok. Même question que je me pose au maître Rémi. Suite juridique, yo. Dans la mesure où tu as une négligence, tu as minimisé l'action, sommation en expulsion des liens, qui ça nous gagne comme alternative pour nous continuer le combat juridique là? Et, donc, pour cela, si on a une question, donc, pour cela, c'est pas quoi le travail qu'il a fait, parce que, il dit, si c'est le cas, pourquoi expulser le président? Écoutez, moi-même, je suis avocat. Je suis le premier défenseur de l'application de la loi. Une preuve d'injustice, nous dit ça. Vous connaissez que peut-être que des gens vont nous dire est-ce que, à des suivis, à des suivis par rapport, même quoi que le peuple haïtien, qui toujours accompagne le jeune avocat, ça, qui toujours accompagne un élu, à Banou Énergie, à Banou Français, pour le cas d'action que l'on peut passer. D'ailleurs, les avocats ne font pas l'apologie de la violence, de l'invasion de la violence. Nous prenons droit. Et peut-être que ce sera le procès, un des procès du siècle, parce que c'est la première fois des jeunes avocats qui nous font accès à ça, et que sans attendre, ou par contre, avocat cadeau, accompagné à l'ONU, donc pour nous-mêmes, pour qu'on ait accès à notre poste, et que pour nous marquer ce sujet, à travers un procès phénoménal, à travers un procès qui marquera l'expulsion qu'on a servi d'ailleurs. Merci. D'accord, bonne journée.